magnifique, magnifique, magnifique. Oh, magnifique. Je m'attends. Oh, bâtisseur. À toi. Constructeur de ma vie, rocher de mon cœur, Esprit de Jésus, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends. Ma barbara qui est de ma bosse. Oh, magnifique bâtisseur de l'Église, toi qui façonne nos cœurs. Toi qui révèle le Christ et qui assied Christ, nous nous attendons à ta conduite et à ta direction, à ton inspiration et à ta propulsion. Magnifique, 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 Saint-Esprit. Bâtisseur de ma vie, architecte et fondement, rocher de mon cœur, magnifique Esprit de Jésus, Christ formé, sois formé en moi, façonne-moi, bâtis-moi, consolide, affermis, fortifie-moi, oh fortifie ma foi. Au sein de la tentation. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. À toi. Je suis le sacrifice saint. Perfectionne le vase que je suis. Auteur de ma foi, Jésus, tu agis par ton esprit pour me mener à la perfection. Voilà pourquoi je te prie. Perfectionne-moi. Perfectionne ma foi. Perfectionne-moi. Saint-Esprit, perfectionne ma foi, je te prie, magnifique, oh magnifique, À toi, magnifique bâtisseur rocher, constructeur de ma vie. Jésus construit ma vie par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit, je l'ai dit par la force, ni par la puissance. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Il faut qu'il fasse son œuvre à l'intérieur de moi. Hébreux chapitre 12 au verset 2. Fixez vos regards sur Jésus, celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Le Saint-Esprit est en train de me donner la pensée, la conviction qu'il y a beaucoup de choses dont l'exaucement dépend du perfectionnement de la foi. Le mot perfectionnement ne signifie pas perfection, mais signifie maturation. Maturité, c'est lorsque nous cessons de connaître des sinusoïdes ou des montagnes russes, lorsque la foi cesse de monter, descendre, lorsqu'elle arrive au stade où elle est maintenant dans le repos, elle est confiante, elle est sereine, elle ne s'agite plus, c'est là que les choses commencent à se manifester, parce que soudainement, la patience et la persévérance deviennent des vertus assise en nous. Alors, il me donne la conviction
de ce que tant que la foi ne devient pas perfectionnée, il y a des exaucements qui ne sont pas encore manifestés. Voilà pourquoi nous, je ressens l'envie de prier juste pour dire, perfectionne, perfectionne, perfectionne-moi, 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 perfectionne, perfectionne, perfectionne-moi, perfectionne ma foi, perfectionne ton amour, perfectionne ta paix en moi, perfectionne ta douceur. Ça veut dire fais-le asseoir, que ça parvienne à la maturité, à la stabilité, à la fluidité, à l'harmonie. Délivre-moi des vacillages, délivre-moi des oscillements, délivre-moi des agitations, délivre-moi des hauts bas, délivre-moi des hauts bas, délivre-moi des agitations, délivre-moi des troubles de mon âme, délivre-moi des angoisses, délivre-moi de l'irritabilité, délivre-moi de la colère, délivre-moi de l'impatience, délivre-moi de l'agacement, délivre-moi de tout ce qui est signe d'immaturité de la foi. Perfectionne. Perfectionne ma foi, perfectionne ton amour, perfectionne ta douceur, perfectionne l'humilité, délivre de l'orgueil, délivre de l'arrogance, délivre des pensées hautaines, délivre du doute, délivre de l'incrédulité, délivre de la peur, perfectionne, ô Christ, ô Christ, auteur de ma foi, auteur de ma foi. Rends la parfaite, amène-la à la perfection. Emmène-moi à la perfection. Emmène ma foi à la perfection. Délivre-moi de l'agitation. Je t'en supplie. Fais ce que tu dois faire. Mais garde-moi calme. Garde-moi serein. Garde-moi persévérant. Garde-moi patient. Et pour cela, fais-moi marcher d'une manière digne de toi. Oh, accorde-moi de connaître ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de toi et d'être entièrement agréable. Les brocards et la bosse portant du fruit en toute sorte de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance, l'épignosis, la connaissance. Fais-moi croître dans la connaissance, dans la révélation. Fais-moi croître, délivre-moi de l'ignorance. Fais-moi croître dans la connaissance, dans la conscience de Christ, le Eido. Rends-moi conscient de toi, conscient de ce que tu es avec moi, tous les jours de ma vie, conscient de ta présence, conscient de ta puissance, conscient de ton amour, conscient de ta bonté, conscient de ta fidélité, conscient de ton humilité, conscient de ton assistance, conscient du ministère des anges. Rends-moi conscient, rends-moi conscient. Perfectionne, perfectionne, perfectionne-moi. Rends-moi conscient. Rends-moi conscient que tu es avec moi en tout temps. Rends-moi conscient de la croix. Rends-moi conscient que tout est accompli. Rends-moi conscient de l'infini grandeur. Rends-moi conscient de ta puissance qui agit en moi. Rends-moi conscience de la richesse. Rends-moi conscient de l'héritage. Rends-moi conscient de l'héritage qui est en moi. Rends-moi conscient de mon espérance. Rends-moi conscient de mon autorité. Rends-moi conscient de ce que tu vis en moi. Rends-moi conscient. Accorde-moi la grâce de croître dans la connaissance. C'est ça la connaissance. Épignosis. Être conscient et vivre l'expérience et vivre l'intimité. Rends-moi conscient. C'est pas la mauvaise.
à moi conscient. Ne me laisse pas ignorant. Ne me laisse pas ignorant. Ne me laisse pas ignorant. Fais-moi croître. Rababokos, allez, les babos. Les babos, et la maman, les babos, et la maman, perfectionne-moi. Parle-moi conscient, perfectionne-moi. Le chemin de perfectionnement. Comprends la capacité à marcher digne d'une manière de lui, du Seigneur, et lui être entièrement agréable. Portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant, grandissant dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire dans la conscience, dans la révélation et dans l'expérience. Ne sois pas une théorie. Tu as sauvé Israël d'Égypte, mais ils ne te connaissaient pas. Tu les as sauvés, mais ils n'avaient pas grandi dans le désert, dans la connaissance de Dieu. Accorde-moi. Parce que les épreuves ne sont pas là pour tuer. Elles sont la plateforme. Les déserts sont les endroits de révélation. Les déserts sont les endroits de rencontre. Les déserts sont les endroits d'intimité. Les déserts sont des endroits d'invitation à la profondeur, d'invitation à la découverte, d'invitation à l'intimité, d'invitation à la communion, d'invitation à l'harmonie, d'invitation à la découverte. Les déserts, les épreuves, le temps du combat de la foi est un temps permis par Dieu pour apprendre à découvrir le Dieu auquel on a cru mais qu'on ne connaît pas. Et tant qu'il n'y a pas la connaissance, tant qu'il n'y a pas la révélation, tant qu'il n'y a pas l'intimité, il n'y a pas la connaissance. Et tant qu'il n'y a pas la connaissance, la foi va continuer de chanceler. Elle va continuer de bouger. Elle va continuer de s'agiter. Elle va continuer de s'impatienter. Elle va continuer de s'inquiéter. Voilà pourquoi il permet le désert. Et tant qu'il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la sérénité. C'est la connaissance qui emmène à la paix. C'est la connaissance qui emmène au repos. Fais-moi ta puissance de résurrection, la communion de tes souffrances. Oh Christ, fais-moi te connaître la vérité, connaître ta sainteté, connaître ton amour, connaître la longueur, connaître la hauteur, connaître la largeur, connaître la profondeur, connaître ton intimité, connaître ta puissance, connaître ta capacité, connaître ta fidélité, connaître Seigneur ta bonté, connaître Seigneur ta puissance, connaître ta capacité, connaître ton humilité, connaître ta foi parfaite, connaître Dieu, connaître qui tu es, connaître, fais-moi, connaître.
connaître. Ne me laisse pas ignorer qui tu es. Connaître. Tu as dit dans ta parole. Connaître. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Connaître. Agiront avec fermeté. Connaître. Ils ne seront plus chancelants. Ils ne seront plus titubants. Ils ne seront plus rossillants. Ils ne seront plus variants. Ils agiront avec fermeté. Ils tiendront ferme. Le diable, le challenger, le tentateur, l'adversaire, le malin ne les bougera plus dans l'autel de la croix. Connaître, connaître, les rababalons, connaître, c'est la révélation que je demande. Connaître, c'est ton expérience, connaître, c'est te connaître qui te connaît. Fais-moi connaître. Connaître. Connaître la vérité. Connaître. J'allais vous connaître la vérité. Et la vérité vous libérera. La vérité vous affranchira. Connaître. Si je suis encore lié, si je suis encore esclave, il y a une dimension de vérité que je ne connais pas encore. Les rababos. Connaître. Connaît. C'est du peuple qui connaîtra leur Dieu, agiront avec fermeté. Connaît. Moïse te connaissait. Voilà pourquoi devant Pharaon, il n'était pas intimidé. Ma Bible dit qu'il voyait le Dieu invisible. Connaît. Oh, devant l'adversité. Voilà, dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque je traverse les grandes eaux, fais-moi te connaître. C'est la clé de la confiance, c'est la clé de la foi, c'est la clé de la fermeté. Oh, rends-moi conscient. Connaître. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, dans ta connaissance. Voilà la version seconde 21. Dis, je prie que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qui vous amène à le connaître, qui vous amène à le connaître. L'esprit de sagesse et de révélation est là pour vous amener à le connaître. Connaître. Oh, je te prie, ne me laisse plus voiler, ne me laisse plus ignorant. Je te prie, accorde-moi ta révélation, ta connaissance, ton intimité, la fusion avec toi, l'osmose avec toi. Écouter ta voix, voir l'invisible, le Dieu tout-puissant, assis sur le trône. Connaître ta puissance, connaître ton autorité, connaître ta capacité, connaître ta fidélité, connaître ta bonté, connaître ton salut, connaître ta capacité, connaître, connaître. Fais-moi te connaître. Oh, je te prie. Fais-moi te connaître. Voilà les prières que priait Paul. Il ne demandait pas les choses de ce monde. Il demandait le déchirement du voile.
esprit de sagesse, esprit de révélation, pour te connaître. Il n'y a personne qui vit les exploits sans connaître Dieu. On peut être sauvé et être vaincu dans la, sur terre parce qu'on ne le connaît pas. Mais il n'y a pas moyen de connaître son Dieu et d'être intimidé. Il n'y a pas moyen de connaître Dieu et d'être vaincu par tes ennemis. Il n'y a pas moyen de le connaître et être effrayé. Il n'y a pas moyen de le connaître et de douter. Le serviteur d'Élisée avait peur lorsqu'une armée les a environnés. Élisée a dit, ouvre les yeux de son cœur. Parce qu'il était entouré de chars syriens. Et lorsque le Seigneur a exaucé la prière d'Élisée, le serviteur d'Élisée a vu des chariots, des myriades et des myriades de chariots de feu qui environnaient les chariots humains. Et le serviteur d'Élisée a dit, waouh, il s'est là où il était paniqué, soudainement, la silence est rentrée dans son cœur. Soudainement, il venait de rentrer dans la révélation. Il venait de rentrer dans la connaissance des choses cachées que l'œil physique n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, qu'on n'a pas enseigné à l'école. Mais les choses que Dieu révèle par l'Esprit. Oh, ne me laisse pas insensible, ne me laisse pas ignorant, ne me laisse pas aveugle, ne me laisse pas sourd. Je te prie, fais-moi te connaître. Connaître, le connaître te rend conscient. C'est à cause de cette connaissance qui a produit cette conscience de ce que les hommes ont préféré être sciés, torturés, plutôt que de le renier. Pourquoi? Ils étaient conscients du Dieu invisible, conscients de l'éternité, conscients de la réalité des anges. Les anges leur disaient, de la même manière qu'un ange est apparu à Jésus pour le fortifier, de la même manière que le Seigneur est apparu à Étienne pour le fortifier, parce qu'Étienne avait la connaissance. Il n'a pas lâché. Il était en train d'être lapidé. Et il a eu la conscience de Christ. Et il dit, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Les hommes ont dit, wow, sacrilège! Il a dit, je le vois debout. Oh, il t'a connu. Il n'est pas mort dans l'embarras. Il est mort dans la foi. Il t'a connu. Accorde-moi la grâce de Dieu. Croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Parce que quand vous atteignez cette dimension, vous atteignez la dimension du perfectionnement de la foi. Voilà pourquoi je te prie, perfectionne-moi, 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 perfectionne-moi. Je te prie, perfectionne-moi, perfectionne-moi, perfectionne-moi,
Brise ce que tu dois briser. Arrache ce que tu dois arracher. Déracine ce que tu dois déraciner. Enlève ce que tu dois enlever. Coupe ce que tu dois couper. Éloigne ce que tu dois éloigner. Mais il faut que mon âme cesse de s'agiter. Il faut que mon cœur trouve le repos. Il faut que je me pose. Il faut que je sois stable. Il faut que je sois linéaire. Amène la sérénité. Engendre la paix. Engendre le repos. Perfectionne. Perfectionne, 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 fortifie ma foi. Dis-lui, fortifie ma foi. Fortifie ma foi. Oh, fortifie ma foi. Je te prie, fortifie ma foi. Fortifie, fortifie ma foi. Fortifie, fortifie ma foi. Fortifie, fortifie ma foi. Fortifie, fortifie ma foi. Et maintenir ferme. Fortifie ma foi. Ferme. Fortifie ma foi. Inébranlable. Fortifie ma foi. Solide. Fortifie ma foi. Capable. Fortifie ma foi. Fortifie. Je dois tenir face à la tentation, face aux propositions indécentes de l'enfer, face aux ruses pour me déplacer de la croix, pour me faire tomber dans le péché. Fortifie pour me faire tomber. Fortifie. Un tentateur veut voler mon titre, veut voler ma couronne. Mais fortifie. Fortifie. Fortifie, fortifie, fortifie l'Église, fortifie ton peuple, fortifie ton Église, fortifie-nous. Face aux tentations de me compromettre, face aux tentations de changer de trajectoire et de prendre des raccourcis.
garde ma foi intacte, ferme et inébranlable. Fortifie ma foi, 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 fortifie. Pas compris, nous ne sommes pas en train de chanter, nous sommes en train d'invoquer. Il dit quiconque invoquera son nom, ce n'est pas une chanson, non, c'est une manière de l'appeler. Qui dis-tu que je suis? À cette question ce soir, je réponds que tu es. Je réponds que tu es Christ. Oh Christ, Christ, ma force. Je réponds que tu es Christ. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi. Mais pour moi, tu es Christ. Oh, pour moi, tu es Christ. Pour mon foyer, tu es Christ. Pour ma destinée, tu es. Pour ma santé, tu es. Pour mon héritage, tu es. Pour ma foi, tu es. Pour mon corps, tu es. Pour mon âme, tu es. Tu es ma capacité. Tu es ma vigueur et ma vitalité. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et ensuite revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable et de résister aux mauvais jours après avoir tout surmonté. Mais le premier des commandements, avant de revêtir les armes de Dieu, c'est d'abord, fortifiez-vous. Un soldat ne peut pas prendre les armes quand il est malade. Un soldat ne peut pas revêtir l'uniforme quand il n'est pas bien portant. Lorsqu'il est malade, il ne va pas au combat, il reste à la maison. Avant de prendre l'armure, tu dois être d'abord fort. Être jugé apte. Apte au combat. Apte à la compétition. Oh, fortifie-moi. Je déclare que pour moi tu es, dans ma vie perdue, mon refuge et mon protecteur, celui qui me fortifie. C'est toi que j'invoque.
je n'appelle pas un autre nom. Parce que personne d'autre n'est ma force. Personne d'autre n'est ma capacité. Personne d'autre ne peut fortifier comme tu fortifies. C'est toi qui rends le faible fort. C'est toi qui rends le malade guéri. Parce qu'une force nouvelle vient. Que cette force rentre dans notre homme intérieur. Que cette force rentre dans notre âme. C'est la force dans l'âme qui délivre du découragement. C'est la force dans l'âme qui délivre de la dépression. C'est la force dans l'âme qui délivre de la fatigue émotionnelle. De l'âme d'une personne, reçoive la force de Christ. Que l'esprit d'une personne reçoive la force de Christ. Que le corps d'une personne reçoive la force. C'est la force de Christ qui a rendu des paralytiques capables de se tenir, de sauter, et leurs pieds étaient affermis. C'est la force qu'il a fait. Pour moi, tu es. Pour moi, tu es. Pour moi, tu es. Pour moi, tu es. Oh, pour moi, tu es. Oh, Christ, Christ. Pour moi, tu es. Pour moi, tu es. Christ, ma force. Pour moi, tu es. Pour moi, tu es. Pour moi, tu es. C'est tout ce que tu peux dire. Y a-t-il un véritable adorateur pour lui dire? Ce n'est pas une chanson, c'est une forte déclaration. C'est une confession publique. Je ne le dirai pas dans le lieu secret, je le dirai dans l'assemblée. Je célébrerai qui tu es dans l'assemblée. Je célébrerai qui tu es. Une voix me dit, il n'est pas ta force. Mais je dirai dans l'assemblée. Une voix me disait, regarde comment tu faiblis, tu es accablé. Regarde le rejet, regarde la dépression, regarde le découragement, regarde l'abattement, regarde la lassitude. C'est un signe de manque de force. Mais ma Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, de Jésus le Christ. Soudainement, comme Jésus a été fortifié lui-même, soudainement, un faible émotionnel, un faible spirituel, un faible dans son corps, reçoit une décharge de force et de puissance. Et là où l'ennemi s'attendait à devoir tomber, à devoir plier, soudainement, une personne que le diable croyait chaos, soudainement, se relève. Soudainement, une personne se relève. Je vois un esprit, je vois une âme, je vois un corps divinement fortifié. Non, tu ne chancelleras pas. Non, tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas séduit, non. Tu ne seras pas ébranlé. Non, tu ne mourras pas. Une personne était en train de tomber. Soudainement, la main invisible te redresse. Les patins d'Avaros et les Avaros. Ils te voyaient déjà dans la tombe. Mais le Seigneur te relève, il te redresse. Tu sors de la tombe de laquelle on t'avait enterré. Parce que Christ est ta force. Parce que Christ est ta
Une personne affaiblie est divinement fortifiée. Et une personne courbée est divinement redressée. Je tiens à te dire que tu es un sujet d'étonnement pour les démons qui avaient prévu de te faire tomber. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais normalement, la dose aurait dû la sauver, aurait dû la battre. Qu'est-ce qui se passe? La puissance de résurrection, la puissance de résurrection arrive sur ta vie maintenant. Elle arrive sur ta vie maintenant. Elle te redresse au nom de Jésus. La puissance de résurrection pour triompher de l'enfer, pour triompher du monde, pour triompher du péché, pour triompher du tentateur. Parce que tu as invoqué mon nom. Parce que tu as invoqué mon nom. Ma force vient sur toi. Tu ne te reconnaîtras pas. On ne te reconnaîtra pas. Ma force surgit sur toi. Répare ma fête et t'es les ramos. Et les ramos vont à la ramos. Et la ramos et les ramos. Et la ramos sont les ramos. Lève les mains, lève les mains. Reçois cette capacité. Reçois cette puissance. Reçois cette force surnaturelle. À l'impact de ton esprit. À l'impact de ton âme. À l'impact de ton corps. Et par la babos. Allez, la babos. Envie de lui dire à haute voix. Christ, Christ, ma force. N'as-tu pas envie de remercier celui qui t'a fortifié ce soir? N'as-tu pas envie de crier pour lui? Christ, ma force. Dis à Christ, Christ, ma force. Dis Christ, Christ, ma force. Qui est-il pour toi ce soir? Ce soir, comment l'appelle-tu ce soir? Qui t'a fortifié ce soir? Oh Christ, oh Christ, pour moi tu es, tu t'appelles.
Il est en train de me dire qu'il fait ça. Tu diras, mais quand je suis motivé, je ne suis pas exaucé. Mais tu ne comprends pas. Tu as déjà été exaucé il y a 2000 ans. Il est en train de me dire. Il me dit. Ma force, c'est pour te rendre persévérant. Pour que tu ne lâches pas. C'est pour ça que j'envoie ma force. J'ai déjà exaucé. Mais il faut que tu tiennes. Il voulait me faire tomber hors de ma fondation.
mais il a entendu mon cri et il m'a secouru. Le Seigneur est ma force, ma main et ma gauche, et le sujet de mes louanges. Voilà pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Que Christ est ma force. Oh, fais monter, fais monter. Wow. Auteur de notre foi, celui qui l'amène à la perfection. Nous te rendons honneur, louange et gloire. Sagesse, action de grâce, puissance, force, autorité, souveraineté, domination. Chante à toi et à personne d'autre. Maintenant et dans toutes les générations, dans le nom le plus excellent, le plus magnifique, le nom glorieux. Amen, 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 ah, amen. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, dans le nom de sa majesté, le plus beau, le fils des hommes, nous avons prié. Amen, 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 amen. T'arrêter, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Ah. Une ta force qui vient. Alors que toi il t'a fortifié, il est en train de me dire qu'à tes ennemis, il leur a fait plier le dos. C'est-à-dire, yeah, c'est toi qui étais penché. Pendant que toi tu es redressé, je vois des ennemis qui se sentaient forts, soudainement affaiblis. Et je déclare, avant la fin des 21 jours, ils sont totalement en déroute, expulsés dans le nom de Jésus. Tout ce qui était assis sur notre héritage, tu peux leur dire au revoir. Tu peux leur dire au revoir. Nous les chercherons. Nous ne les trouverons plus. Ces démons, ces maladies, ces blocages, ces stérilités, ces échecs, ces pauvretés, ces afflictions, ces douleurs, nous ne les trouverons plus. La vigueur surnaturelle est entrée dans ton esprit, ton âme, ton corps. Et je déclare que nos ennemis, nos adversaires sont frappés d'une faiblesse et d'une impuissance qu'ils n'avaient jamais expérimentée. Je commande l'impuissance.
puissance totale de l'ennemi, des maladies, des démons, des circonstances, des blocages. Impuissance totale. Et il quitte nos vies dans le nom de Jésus. Nous aurons leur gloire, leur remercions. Christ, notre force, tu as été invoqué et tu as entendu et tu as répondu. Par des guérisons physiques, des guérisons de l'âme et la vitalité d'un homme intérieur. Merci. Père, dans le nom de Jésus, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit demeure notre partage. Et maintenant encore et à jamais, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et nous demeurons divinement gardés. Et tous les êtres qui nous sont chers et nos enfants sont divinement sécurisés. Toutes les invocations et les réclamations occultes, démoniaques, sataniques, mystiques, de sorcellerie, pour réclamer nous ou nos enfants en sacrifice, ces voix qui s'ouvrent, nous les condamnons au jugement au nom de Jésus. Tout hôtel qui va être bâti pour invoquer contre nous, nous appelons sa destruction par le feu. Et nous appelons le feu sur les bâtisseurs d'hôtels maléfiques dans nos familles, foyers, dans nos ethnies, pays. Ils sauront que c'est terrible de tomber en des mains du Dieu. Car notre Dieu est un feu dévorant. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions, Esprit de Jésus, de nous conduire, de nous avoir conduits, de recommandant cette soirée, notre nuit, la journée de demain. Nous dépendons de toi. Nous nous attendons à toi. Nous ne réclamons que toi. Tu suffis. Ta grâce nous suffit. Merci. Lorsque tu nous as fortifiés. Merci. Ta capacité à tenir jusqu'à la manifestation. Fais de toi. Il fera de toi demain un sujet d'étonnement.